C'est gentil de la part de la princesse de nous avoir invités à ce pique-nique. Hein, Luigi? J'espère qu'elle a fait plein de spaghettis. Luigi, regarde. C'est Bossoir qui nous écrit. Cher plombier, les Koopalings et moi sommes maintenant les maîtres du royaume des champignons. J'ai invité la princesse à rester dans un de mes 7 hôtels de Koopa. Pour toujours. Je parie que vous ne pourrez jamais la retrouver. Il faut qu'on retrouve la princesse. Et vous, vous devez nous aider. Et si vous avez besoin d'aide pour traverser tous les hôtels, je vous conseille de lire le mode d'emploi. Alors bonjour à tous, alors ici c'est Ludo Wildcat, je fais cette petite vidéo sur Hotel Mario, sorti sur Philips CDI en 1994. Et donc c'est un jeu de puzzle, enfin moi j'appelle ça un jeu de plateforme tableau on va dire. Et bon, disons qu'il n'y a pas trop de vidéos sur internet concernant ce jeu, donc pour montrer à des amis et ceux qui verront cette vidéo, j'ai décidé de faire une petite vidéo et faire une petite partie pour vous montrer à quoi ressemble ce jeu. Que, entre parenthèses, j'adore et j'y joue très souvent. Enfin bon, là ça fait 2-3 mois, j'y ai plus trop joué. Mais bon, ça va d'aller. Donc là, je lance une partie et je vous laisse l'intro. Ça a l'air plutôt tranquille par ici. L'habit ne fait pas le moine, surtout avec les Koopas. Voilà, stage 1. Donc alors le jeu consiste à fermer les portes de 7 hôtels et il y a 10 niveaux par hôtel. Donc c'est du plateforme à tableau, hein. Il y a juste sauter et fermer les portes. Prendre les ascenseurs. Voilà, par contre là on reste dans l'arrière de l'ascenseur. Hop, on peut venir seulement vers l'avant. Ouh. On peut venir vers l'avant au moment où on veut si vraiment on arrive à l'ascenseur et que l'ennemi est devant l'ascenseur en fait. Ça, ça m'est déjà arrivé. Voilà, toutes les portes fermées, premier stage terminé. C'est pas compliqué. Comptabilisation des points. Les 4-5 premiers niveaux, j'ai pas rencontré de difficultés exceptionnelles. Alors là, là il y a un champignon. Voilà, le champignon, c'est si je me fais toucher par un gambas. C'est comme ça, ouais, les bestioles dans Mario là. Je me fais toucher, justement, je ne meurs pas. Sinon, on se fait buter direct. Et il faut recommencer le niveau. Ah, je me cache dans la porte. Et j'ai oublié une porte en bas. En plus, c'était la dernière. Ah, je ne l'avais même pas vue. Le comptage des points, je sais pas ce qui compte exactement. Je comprends rien. Niveau 3. Oh putain. J'ai ma pile qui se barre. Voilà, donc niveau 3. Il a le bonbon sucré, lui. Je pense que c'est la même chose que le champignon, je ne sais plus. Et ouais, ça fait 2-3 mois que j'ai plus joué. En plus, mon lecteur de Philips CDI... Ah bah voilà, ouais, c'est parce que j'avais pris le champignon le niveau avant. Ça c'est bien, ils sont comptabilisés pour les niveaux suivants. Sinon j'étais mort direct. je ne sais plus ce que je disais du coup.
Voilà. Bon, le premier niveau, oui, je disais justement, comme mon lecteur Philips de CD, sa mémoire est morte, donc il n'y a plus de sauvegarde possible, bah, à chaque fois, bah, je me retape le jeu à zéro, on va dire. Enfin non, il y a un mot de passe pour pouvoir accéder à l'hôtel qu'on veut quand même. Et bon, faut commencer au premier niveau de chaque hôtel, mais bon. En jouant, j'en suis arrivé au cinquième hôtel sans passer de niveau, quoi, en les jouant tous. On en a fallu des viges, quoi. Par contre, elle s'est écrasée les bestioles parce qu'après, elles repassent devant les portes et elles ouvrent les portes. Et c'est là que plus loin dans le jeu, ça commence à devenir vraiment plus dur. C'est parce qu'on monte jusqu'en haut pour fermer les portes. Et les portes se réouvrent au fur et à mesure. Et c'est... Il y a des niveaux, j'ai tourné en rond pendant je ne sais pas combien de temps. Ah, même là, je suis monté et j'ai oublié de prendre les deux portes. C'est pas grave, voilà, redescendre. Celle-là. Ah, là, j'ai gagné une vie en prenant 100 pièces, à mon avis, je pense. Je n'ai pas regardé. Voilà, ben 4 niveaux, voilà, c'est pas compliqué. À savoir qu'en plus, j'ai réussi après quelques mois, ah putain, à avoir une manette pour le Philips CDI, parce que jusqu'au départ, ben, j'avais la télécommande avec le stick sur la télécommande. Et j'ai commencé à jouer comme ça, et là, ben, le Mario, j'ai essayé avec la manette, je n'arrive pas à jouer avec la manette à Mario, je n'arrive pas. Tandis qu'avec la télécommande, ben, les doigts dans le nez. Par contre, là, ouais, voilà, les canards, ben, d'habitude, ben, on saute dessus, on a la carapace, là, on saute et ils sont morts directement. En même temps, c'est pas plus mal. Voilà, regardez, hop, je reste dans la porte, comme ça, hop, voilà, et je ressors seulement après. Comme ça, il ne me bute pas. Voilà, ben je pense que c'est le cinquième niveau. Même là, j'ai déjà su faire des... Voilà, un triple saut. Ouais. Il y a moyen de faire un coup. Voilà, même si on tue pas les ennemis, si j'arrive au-dessus, reste un ennemi, je saute au-dessus, je ferme la porte et il meurt direct, donc c'est pas... On s'en fout. Voilà, si quelqu'un essaie comment il compte le système de points, peut me le dire dans les commentaires ou un truc comme ça. Voilà, alors le niveau 6. Voilà. C'est ici que ça commence à devenir plus dur parce qu'il y a les saloperies de chenilles que j'ai revues il n'y a pas très longtemps sur Super Mario World, là sur Super Nintendo. Que j'arrive sur Super Nintendo. Ah! Voilà, pas bouger, je suis dans la porte. Voilà, elle passe. Parce que la chenille, là, automatiquement, que je vais sortir de la porte, elle va faire demi-tour. Voilà. Ici, pour les tuer, en fait, on tape sur sa tête réapparaît. Et ainsi de suite. Et si j'arrive au bord de l'écran, je me fais zigouiller. Et sur Super Nintendo, en fait, je me souvenais plus. Et j'arrive, saute sur la chenille, je vois qu'elle devient toute rouge en mode furie. M'a buté. Ah ouais, là, ah là, c'est avec ces saloperies de chenilles, en fait, on les tue et en fait elles réapparaissent après un certain temps. Je sais bien qu'il y a un niveau où j'ai tourné en rond dans tous les sens pour arriver à fermer toutes les portes avant que la chenille réapparaisse. C'était un truc de fou. Je crois que j'aurais dû fermer la porte derrière moi avant. Allez, allez, allez. Et voilà, magnifique, c'est tout juste. Alors, c'est le niveau 7. Là, ça va être un petit peu plus chaud. Voilà, maintenant, Nintendo avait sorti ce jeu-là sur la Philips CDI avec des Zelda. Bon, les Zelda, c'est catastrophique. Maintenant, le Mario-là, moi, j'ai bien aimé le principe. S'il viendrait à le rééditer sur une plateforme téléchargeable ou un truc comme ça, pourquoi pas. Ben moi je le prendrai. Si vous avez l'occasion de pouvoir le tester, ben je vous conseille de le tester parce que je connaissais pas le jeu au départ. J'ai fait une petite partie ou deux et boum, je l'ai accroché directement. C'est le massacre dans la porte.
D'ailleurs, un jeu à tableau... Oh ! Heureusement. Un jeu à tableau comme ça, ça aurait même pu être édité sur Game Boy ou des trucs comme ça, c'est... Voilà. Allez, sors vite tout juste. Voilà. Voilà, et l'autre en bas est déjà réapparu alors que j'ai même pas le temps de le tuer. Ah ouais, c'est la course contre le temps. Là, je pense qu'il va encore avoir la même chose, voilà. Ce qui fait, faut que je tue celle-là. Fermer la porte, redescendre et tuer celle-là. Allez, allez, vite. En plus, si je touche pas sa tête exactement, je me fais tuer net. Voilà, et un peu à la... Comme dans les jeux de Mario, en fait, hein, il y a 7 hôtels, c'est 7 mondes. Bon, je pense que c'est 8 mondes, mais le 8e monde, je pense que c'est le Brothers, en fait. Et bon, 8, stage 8. Et le stage 10 de chaque hôtel, c'est un petit boss aussi. Il faut fermer les portes, mais là, c'est le boss vous poursuit dans les niveaux à travers les portes. Je crois que c'est celui du deuxième hôtel ou du troisième hôtel. Dans la glace, je pense, celui-là. Ah ben voilà, il m'a fumé, on peut redescendre. Aïe 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 aïe. Je déteste ces chenilles. On va les désinguer celle-là en premier. Il y a une logique, faut la connaître en fait, mais ça. Laquelle réapparaît en premier ? Si mon canard va pas réouvrir les portes. Ah bah voilà, c'est ça en fait. Ah, je me fais tuer. Ah, j'ai sauté à côté, là c'est net. Essaye de le placer quand même. En fait, il faut les faire en redescendant. Monter là, voilà. Ouais, c'est carnage ici. Voilà, le demi-tour. Bah là, je pense que l'autre va réapparaître avant. Ouais, voilà. Il faut pas que le canard réapparaisse en bas. Hop, une vie de gagner, ça c'est pop, hein, c'est bien. Aïe aïe aïe, elle va revenir à chaque fois, hein, cette pute. Là c'est pas grossier, mais. Ah, je crois que je tiens le bon bout. Et il reste un. Ah, magnifique, bah oui, juste, j'ai pas besoin de tuer toutes les bêtes, c'est juste fermer les portes. Et depuis tout à l'heure, je me fais, ouais, non, il faut que je tue les bêtes, et le canard en bas il va réapparaître, mais non, c'est. Mon cerveau qui déraille. Bon, on va essayer au moins faire aller jusqu'au stage 10 pour faire le premier boss et vous montrer le deuxième monde. Enfin, le deuxième hôtel. Ah, alors, ces saloperies de chenilles, elles sont remplies. Hein. Oula, c'est tout juste. Voilà. On va vite passer devant. On va aller fermer les portes au-dessus. C'est mieux de fermer les portes où s'il n'y a pas de chenilles. Là, il y en a 3 étages des chenilles. Ah ouais, c'est un carnage. On va aller fermer ceux du dessus. Ah bah là, j'ai sorti de la porte. Ils m'ont fumé, deux canards. Encore 4 vies. C'est possible, c'est possible. Ah oui, c'est possible, je l'ai déjà fait. Alors, la fin du jeu, j'ai jamais été, ça c'est un fait. Mais j'ai vu sur YouTube, il y a une vidéo avec le 10e, enfin le 7e ou le 8e hôtel, en fin de compte, je sais plus. Et. Mais bon, là. Le mec qui a fait la vidéo, il commence fort son jeu et tout, et après on voit disque illisible. Le mec, il était dégoûté. Et la vidéo finit comme ça, donc j'ai jamais vu la fin réelle du jeu.
mais je la verrai un jour. Si je joue bien. Ah bon, j'ai trouvé quelques tutoriels là sur internet pour changer la mémoire de la Philips CD. A savoir, c'est la 220. Il y a moyen de faire une jonction avec deux piles sur la mémoire. Je sais pas exactement. Oh, bah, c'est dans la porte. Un jour, j'y regarderai peut-être. Voilà, sinon, bah, on joue, on s'en fout de la sauvegarde. C'est pas trop grave. Donc, je sais recommencer à l'hôtel que je veux. C'est s'acharner sur le dernier hôtel. Mais... bon, maintenant, on va s'occuper de ces chenilles. Encore plus vite. Ah bon, il y a un chrono là-dessus, je viens de le voir maintenant. Je me suis jamais fait avoir par un chrono. 33 secondes, c'est... ah bah là, je vais rester étonné moi-même. J'ai jamais fait attention, il y avait un chrono à jeu. Ouais, bah là, je vais me faire fumer pour une connerie. Ça, c'est parce que je papote. Ah bah comme ça, je me fais tuer au chrono. Ah non, je suis même pas mort par la bête, je suis mort au chrono. Ah non, c'est pas possible, ça. Bon, c'est là qu'on se redresse sur sa chaise. Et on dit, bon, on va le faire. Il y a 200 secondes pour le faire, en fait. Hein. On va monter directement, on va se prendre la tête. Voilà. Hop. Ah oui, elle réapparaît à chaque fois. Au-dessus, hop, dès que j'arrive, il y a tous les canards et tout qui arrivent. Comment j'ai fait pour perdre toutes les secondes là? À la partie avant, là, je sais pas. Je le verrai sur la vidéo, mais bon. On s'en fout de la pièce. Non, je me fais fumer. Bon, bah, si j'y arrive pas, tant pis, je vais faire qu'une partie d'une vie. En gros, c'était pour vous montrer un peu le jeu. Après, bah, on a le monde de glace, le monde de... comme dans tous les Mario, en fait. Ils ont quand même gardé le... l'ampleur des niveaux. Mais j'avoue que le niveau de la glace, c'est encore pire, parce que quand il faut sauter sur les ennemis et que ça glisse sur le sol, c'est vraiment un carnage. Le deuxième hôtel, je pense que c'est H, ou... c'est celui avec des portes électriques et des ascenseurs électriques et des pannes de courant. Alors les ascenseurs fonctionnent pas à tous les tours. C'est encore pire. Bah bon, je pense qu'avec de l'entraînement... ah ouais, la chenille en bas, elle rouvre mes portes, ça sert à rien. Avec de l'entraînement, voilà, c'est faisable. La fois où j'étais jusqu'au 4-5e monde, jusqu'au 4-5e hôtel, là... j'ai passé la journée sur le jeu, voilà, je me suis bien éclaté. Il passe et il rouvre mes portes tous. Bon, je sais plus laquelle apparaît. Je trouve qu'après 2 mois ou 2-3 mois là que j'ai pu jouer, je m'en sors pas trop mal. Ah, il reste 69 secondes au compteur. C'est un truc de fou, ça. Ah bah, c'est ce niveau-là que j'ai galéré, en fait. Encore plus vite. Voilà, et comme tous les jeux, encore plus vite. Et on accélère un peu le rythme du jeu. Ah, et bah ouais, celle-là, je ne sais plus. Oh non! Il me reste une vie. Ouais, j'aimerais bien vous montrer le niveau 10, mais bon. Si j'y arrive pas, ben... désolé, voilà. Mais je l'ai fait véridique, de toute façon. Si j'y arrive, je referai une petite vidéo, ou à la limite peut-être une petite vidéo montage pour vous montrer le premier niveau de chaque hôtel, ou un truc comme ça, pourquoi pas. Ah, vous me dites dans les commentaires si vous voulez vraiment une vidéo comme ça, sinon, bah,
je la ferai pas, quoi. Enfin, je la ferai, mais plus tard, si maintenant vous la voulez, ben, je vous la fais, avec un souci. Voilà, faire une vie sur chaque hôtel, un truc comme ça, voilà, ça peut être cool, en fait. Comme ça, vous verrez un peu tous les hôtels. Enfin, vous me dites quoi, il n'y a pas de souci. Parce que là, c'est la dernière vie, je pense pas que je vais la voir. Je me désespère moi-même, mais bon. Non, c'est pas vrai. Ouais, ben, je regagne une vie. Ben voilà, il y a une chance, peut-être. Ah, je suis magique, en fait. C'est magique. Ouais. Ah, mais c'est ça qu'il me faut pour tuer les chenilles. Allez. Ouais, ben oui, c'est un certain temps. Ben, je pense que c'est même comme ça que j'ai eu le niveau, là, quelques mois. Continuer, ben on va maintenant, je vais vous laisser là et j'essaierai à l'occasion de refaire une petite vidéo alors comme ça, et si ça vous intéresse aussi. Et voilà, donc on va maintenant, de toute façon, voilà, on s'en fout. Cette vidéo sera sûrement uploadée sur la chaîne de notre podcast Débiter des pixels. Je vais sûrement faire une playlist avec quelques vidéos que je ferai moi, plutôt que d'utiliser ma chaîne qui date de là un certain temps. Et voilà, donc voilà, on stoppe même le générique de fin, comme ça ça fera la vidéo de générique pour la fin de la vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un petit commentaire, et surtout si vous voulez une vidéo avec la suite du jeu, ou comme je vous ai dit, une vie sur chaque hôtel, un truc comme ça. Et voilà, donc je vous laisse avec la fin du générique là, et à bientôt les amis, ciao ciao.